Bonjour à toutes et à tous, c'est Redstone Matt et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des tutos MCGit. Donc aujourd'hui on va voir comment empiler des mobs. Donc par contre ça va être un peu c'est un peu différent. Je sais, il existe une commande pour le faire, mais la commande c'est différent parce que par exemple avec la commande, donc un creeper sur un cochon par exemple, ça va, c'est classique. Mais si tu veux faire un spider juke, donc un squelette sur une araignée, donc je l'ai mis en invulnérable le squelette, eh bien il n'aura pas d'arc. Du coup ce ne sera pas un vrai spider juke. Alors que là avec le filtre on peut vraiment killer l'arc et c'est fait un vrai spider juke. Nous allons tout de suite voir comment faire. Donc en haut là vous mettez l'entité qui sera sur l'autre et en bas vous mettez l'entité qui sera chevauchée. Ensuite vous sauvegardez quitté. Vous ouvrez MCEdit. Mince. Vous allez dans votre map. Voilà. Ensuite, il faut sélectionner bien la zone avec les deux entités. Et bien tous les blocs. Il faut pas qu'il y en ait pas assez. Faut vraiment pas hésiter. Vous voyez? Faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je sélectionne plus ce qu'il faut sélectionner. Comme ça, je suis sûr. Voilà. Hop. Et là. Hop là. Ensuite, faites filter. Donc ça normalement la petite page ça vous le marque pas. Hein. Moi c'est normal, ça me la marque. Vous mettez le filtre stack entities. Donc je mettrai le lien dans la description. Faites filters. Il n'y a pas de paramètres à régler. CTRL S ou CTRL S comme vous voulez, c'est exactement la même chose. Je vais close MCEdit. Vous retournez dans votre monde. Et comme vous pouvez le voir, donc, voilà. Le squelette est sur l'araignée, il a son arc. Donc là, par contre, il crame parce qu'il y a le soleil. Sinon, vous voyez, là, le squelette, il a bien son arc. Donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle entité. Hein. N'importe quelle entité. C'est la fin de ce tuto. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. Pourquoi ça marche pas? Exception de rien. Je pense au fort détail. Alors on peut pas? Alors on peut pas? Bon. Tant pis.